Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite d'Oddworld l'Exode Babe où je vais arriver au fameux... Ah oui, c'est vrai, c'était des Mudokons déprimés. Donc où je vais arriver à atteindre l'objectif secondaire que je m'étais fixé. Enfin, après, je m'étais fixé l'objectif après avoir évidemment battu le premier. Donc c'est d'avoir plus de 200 Mudokons. Et j'avoue que ce score va être battu. Donc non, je ne ferai pas d'objectif à 250, parce que 250, je pense pas que je puisse y arriver. Ou alors faudrait vraiment un concours de circonstances monumental. Donc je n'espère pas. Parce que sinon, ça craint. Et attention, vous pensez que là, il va y avoir plein de petits slugs qui va sortir, hein? Ouais, ok. Quick save. Ok, apparemment, quand vous étiez censé embouter quelqu'un, il y avait... Ah. Et voilà, tout ça pour des slugs. Tout ça pour des petits sluggies, c'était... Voilà. Je peux même marcher le temps qu'ils reviennent, c'est... Voilà. J'ai pas besoin de courir, en fait, pour les attendre. C'est vraiment super. Ils sont vraiment pas doués, ces sluggies. Ils sont vraiment... Vous avez vu, ils viennent seulement de passer à l'écran. Où est-ce que j'étais? Voilà, ils arrivent seulement maintenant. De temps sur les mecs, hein. J'ai le temps de boire un café. Quoique, pas sûr qu'il y ait de café sur Oddworld. Donc j'ai fini le Zulag 8, sorti sans retour. J'ai donc terminé le premier niveau de ce deuxième bloc, ce deuxième Zulag, enfin appelez-le comme vous voulez. J'arrive donc dans ce... Oh putain. Excusez-moi. C'est que, vous savez évidemment, hein, c'est que je sens vraiment pas ce niveau, je me souviens qu'il était assez agaçant. Très long et très agaçant. Donc en gros ça craint la chute. Merci. Maintenant il n'y a plus qu'à quick save. Avant de... Voilà. Non. Donc là vous voyez qu'est-ce qui va arriver hein. Non. 10 heures plus tard. Non. Voilà, bonjour. Alors, nous voici arrivés donc dans le... Au deuxième étage. Ah, une main. Alors... C'est l'heure du quiz Soulstorm. Je viens de boire de la bière Soulstorm. Que dois-je faire maintenant? Arrête de péter, crétin. Tu vas faire exploser une sphère de sécurité. Réfléchis pas. Bois. Ce message vous est offert par la brasserie Soulstorm. Donc voilà, en fait, c'est une histoire de... Comme de... L'étude, mais il est complètement aveugle ce slégué. Il voit qu'il y a un Mudokon bleu qui arrive. Et oh mon dieu, ça ne passerait pas. Et... Il se tire un coup et en fait c'est tout. Et nous pendant ce temps on passe tranquillement. Quick save. Donc vous avez compris, hein, c'est une histoire de paix de... et de sphère de sécurité. Enfin tout de même pour cette partie de niveau. Donc ce niveau va être très long. Maintenant que je peux faire plus de un quart d'heure. J'ai appris ça il y a longtemps au moment où je poste la vidéo. Et je l'avais appris il y a pas très longtemps, là maintenant. Donc, je vais poser des vidéos de plus de... Oh, pune. Oh mon dieu. Je me suis raté et c'est un sauvetage incroyable. Oh là. Alors là, j'avoue, je n'ai pas compris comment j'ai fait pour survivre. Je voulais sauter, enfin je voulais rattraper voilà, cette plateforme ici, mais j'ai pas pu. Alors, donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça explose, forcément. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Allez, donc maintenant, j'ai plus d'un quart d'heure de vidéo. Mais je ferai vraiment pas plus d'un quart d'heure. Je ferai vraiment 16 minutes grand max. Hop. Donc lui, il en va le dégommer. Pourquoi je ne veux pas faire de vidéo de plus d'un quart d'heure? Tout simplement parce que, voilà, si vous n'avez pas trop le temps... C'est toujours bien d'avoir une vidéo, d'avoir de courtes vidéos. Donc, voilà, si vous avez des... J'ai rien contre les vidéos d'une demi-heure, une heure. Et voilà, c'est qu'après, justement, il faut avoir le temps. Et voilà, des vidéos d'un quart d'heure, au moins c'est court. Vous pouvez faire autre chose aussi en attendant si jamais il se passe rien. Et voilà, donc c'est vraiment ça que je préfère vraiment faire comme ça que faire des vidéos d'une heure. Et puis au moins, vous aurez beaucoup de vidéos. Je poste... Je publierai par petite dose, évidemment, le temps de...
Oh, allez, hey, attention tous aux abris, fait explosif. Salut, au boulot. Voilà. Et salut. Non, salut. J'ai perdu ma phrase. Ok. Si tu veux bien, aïe. Si tu veux bien, monsieur, merci. Non, une main. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai tombé. C'est l'heure du quiz Soulstorm. Où est-ce que je suis? Tu es dans le QG des glucons. Un endroit plutôt dangereux quand on n'est pas un glucon. Tu ferais peut-être mieux d'en faire sortir un de son bureau. L'envoûtement, c'est 9 dixièmes de la loi. Ce message vous est offert par Rupture Farms. Froid ou frit, les Sundays, Slurg, c'est meilleur quand c'est pourri. Ok, des slurgs froids ou des slurgs frits, c'est vraiment... Oh, mon dieu, en plus pourri, quoi, c'est meilleur quand c'est pourri. Oh. Là, j'avoue que c'est vraiment immonde. Ouais, merde. J'avoue, je pense qu'il faut... Je vais aller reprendre un... Ah, de toute façon, je pouvais pas faire demi-tour. Donc je vais reprendre je vais reprendre une Soulstorm. À consommer avec modération, bien sûr. Donc je vais péter au nez à la barre du... Non, quand même pas. Je ne vais quand même pas... Je ne vais quand même pas l'asphyxier. Hop, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Ah bah, il y en a déjà un, là. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exploser tranquillement. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Efficace. Non. Ah merde, je vais finalement péter la... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il avait qu'à pas se trouver là. Le pauvre tout seul, toujours en train de nettoyer le même coin. Et voilà. Alors bon, bah, il reste plus beaucoup de Soulstorm. Hein. Faut que je vise avec précaution. Faut que je les utilise avec précaution également. Alors, Freak Save. On remonte. Allez. Bon, par contre, le pire, c'est que c'est... Ouais, non, je vais peut-être... plutôt exploser, voilà, ouais. Je vais exploser plutôt la sphère de sécurité. Comme ça, je peux peut-être prendre le contrôle du Stig et l'exploser au cas où. Mais voilà, on ne sait jamais. Je préfère le laisser là pour le moment. Alors, hop, on reprend le contrôle d'un P. Alors, on remonte tranquillement. Oh, avec ce bruit de paix, je sais pas moi, c'est l'hymne au paix. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, c'est vraiment immonde. Ah oui. Ah oui, ça va péter. Bon, pas bien. Hop. Voilà, c'est bon, explosé. Alors, là. J'avais dit que je devais arrêter avec les alors bon sang. Hop. Non. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas tiré le levier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Youpi. Hop. Et vous êtes prêts, c'est reparti. Ouah. 2 heures après. Ouah. Bonjour. Voilà. Donc nous allons maintenant descendre les étages à la 1. Bonjour. Je t'en prie, suis-moi. Aïe. Évidemment, il se fout de ma gueule. Donc, mais suis-moi, hein, n'aie pas peur. Je vais pas te manger, tout du moins pas maintenant. Voilà, je fais. On y va, on descend. Donc là, hop, je vais rentrer dans la première porte. Ah bon sang. Donc alors, il y a deux leviers. Ah oui, ouais. C'est vrai. Il y a une sphère de sécurité. Et là, il y a un bouton qui devient un peu ma boule. Ma boule. Alors. Ah non, c'est beau pas. Je pense qu'il voudra pas se faire envoûter. Ouais, non. C'est génial. Yopi. Ça marche pas. C'est un fail. Alors, eh ben, on y va tranquillement. Non. Punaise. C'est pas vrai. Bon, je pense pas que ce soit possible d'acheter une Soulstorm maintenant. Aïe. Oh putain. Mais j'ai pas quick save. Donc ce qui fait que voilà, je me retrouve ici. On redescend donc tranquillement avec les potes médocons. Vas-y, je t'en prie, voilà, ils vont encore se foutre de ma gueule. Voilà. Donc, je vous en prie, suivez-moi, voilà.
Suivez-moi, bon sang. Voilà. Hop. Hop. Ouais. Bonjour mon grand. On rentre donc là. Moi j'ai peut-être dû faire un quick save. Parce que je le sens pas. Oh quoi non, ça va être... Je sais pas pourquoi. Ça sent le piège un con. Et voilà, je tombe dedans. Je tombe dedans comme un débile. C'est absolument immonde. Je tombe dans ce piège à con comme un débile. C'est pas grave, hein. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Bon. Ouais, j'avoue que je meurs pas souvent là dans cette vidéo. Ça me plaît pas. Non. Contrairement à certaines vidéos, c'est bon. Hein. Ouais, je vous le dis, hein, vraiment, mourir une dizaine de fois, enfin, une quinzaine de fois et même une vingtaine de fois pour moi, ouais, c'est vraiment très agaçant. C'est vraiment très agaçant. Hop. Wow, ouais. Quick save, hein. Oui, je sais, je quick save, il est temps, parce qu'en plus j'ai perdu ton bait, mon, et que le faire le prochain écran. Alors c'est bon. Inévitablement. Alors, 201, on est évalué, 23 victimes et 7 employés dans ce Zulike. Zulike. Hop, je te remercie, mon grand. Salut. C'est moi. Ok, il m'a l'air un peu débile sur les bords, celui-là. Il m'a l'air vachement débile sur les bords. Oh là 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 là. Il est complètement débile, ce skin. Voilà, tu sais pas le faire quand on te demande. Bon. Yeah. Donc maintenant on va pouvoir aller s'exposer tranquillement. Ok, et là il reste là. Je pensais que normalement il me semblait qu'il passait de l'autre côté et qu'il se suce. Et ben voilà. Oh bah tiens, c'est un Slig magicien en plus. Il arrive à passer de l'autre côté d'une barrière électrifiée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il arrive à ne pas s'électrocuter. Désolé. Okay. Il ne faut pas non plus exagérer, nous parlons d'un skin. Ce n'est pas un magicien loin de là. Alors, hop hop hop, doucement. Nous avons sauvé le 202e Mudokon. Voilà. Il en reste donc plus que 6. Il y a moyen d'arriver, n'empêche, à vraiment un score très honorable. Il y a vraiment l'occasion de faire vraiment un score assez important pour moi, je parle. Impressionnant, non, impressionnant quand tu fais un score de merde comme 230, c'est bon quoi, c'est pas terrible. Oh putain, bip. Nom de bip. Heureusement que j'ai cru que ça y avait, hein. Sinon... Ah merde. J'ai cru que ça y avait, oui. Mais avant de rentrer dans la porte. Quel imbécile. Oh misère, misère, misère. Je fais connerie sur connerie dans cette vidéo. C'est fail sur fail, c'est pas grave. C'est pas grave. Salut. Vas-y. Oh génial en plus. Voilà. Vas-y. Bon, voilà. Tu vas quand tu veux un peu. Ah. Allez. Ok, on est retombé sur un débile. On est retombé sur un débile, c'est bien ce que je dis. Oh là là, un pire boulet que ce type, je pense qu'il n'existe pas. Voilà. Tu pouvais avancer, mon grand, hein. Bon, reste ici, voilà. Obéis à ton maître. On est... Non. Oh, il s'est suicidé. Encore une fois. C'est un vrai magicien, mais il est aussi tellement con, quoi. Voilà. Alors, je t'en prie. Désolé. Okay. Suis-moi. Ok. Allez, vas-y, tranquillement, secoue-toi, remets-toi. Hein. Je suis pressé, j'arrive bientôt à la fin de la vidéo. Donc, je vais courir, sortir de cette pièce. Et vous laisser tranquillement là. Hop, voilà. Et je vous dis bye bye.